Hey donc salut tout le monde, c'est Kasson 4 pour le 17ème épisode de Pokémon version bouclier. J'espère que vous êtes tous bien, moi perso ça va super. Alors qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode? Eh bien on a combattu Lona. Et c'est tout ce qui s'est passé. Ouais je sais, je fais pas grand chose. J'avais aussi discuté sur le fait qu'il allait peut-être y avoir une nouvelle place disponible dans l'équipe. Et je pensais me débarrasser. Enfin me débarrasser, c'est quand même un mot assez fort. Me séparer, non pas me séparer, comment dire? Comment dire? C'est Yelka, c'est bon, t'as le badge, cool. Ouais, mon jeu d'acteur est parfois très ignoble. Ah, tu es là, on t'attendait. Je dois vous dire qu'entre ces histoires de nuit noire et de Pokémon avec une épée et un bouclier, je suis un peu perdu. Attendez. Mais c'est quoi ça? La suite de la légende. La cinquième tapisserie. Un poster trop stylé. La suite de la légende. C'est une cinquième tapisserie. Totalement. Les deux héros ont l'air désespérés. Ils sont passés. Où sont passés l'épée et le bouclier? Que signifie tout ça? La légende se termine là? Ils sont peut-être scellés? Ça me semble être la deuxième solution. Un sceau, intéressant. Mais s'ils sont scellés, peut-être qu'ils sommeillent quelque part? Dites, si on en croit les statues d'Holchester, l'épée et le bouclier, en fait, ce seraient deux Pokémon, non? Oui. C'est ce que je comprends, en tout cas. Tu te souviens du Pokémon chelou qu'on a croisé et si c'était l'épée ou le bouclier? De quoi tu parles? Mais si, Dialka, tu sais, dans la forêt de Sleepwood. Ouais, je savais que je pouvais compter sur toi. On a croisé un Pokémon bizarre dans le brouillard de la forêt de Sleepwood. Bah, elle ne peut que s'en souvenir, puisque c'est de base pour ça qu'elle a commencé l'enquête. Je suppose. Est-ce que c'était l'épée ou le bouclier alors? Ah, mais oui, c'est vrai, vous êtes aussi entrés dans la forêt de Sleepwood tous les deux. Grand-mère m'a raconté, vous avez commencé vos aventures sur les chapeaux... Les chapeaux de roue, dites. Les chapeaux de roue. J'ai bien entendu cette expression. Racontez-moi ça pendant qu'on mange. Je savais qu'on... Vous savez que ce que vous commandez? Parce que moi, oui. Allez, on va manger un peu de grille-pâte. Ça fait plaisir. Je déconne. Eh bien, c'est quand même fou ce qui vous est arrivé. Enfin bref, maintenant qu'on a fini de manger, j'aimerais jeter un coup d'œil à l'attraction principale de l'île d'Esther, la source du héros. Vous venez? Ouais. Ouais. Je sais pas du tout où c'est. Je suppose que c'est là. Le truc que je pensais être un lavoir. MDR. C'est pas du tout un lavoir en fait. La source du héros. Maintenant, ces bains sont réservés aux Pokémon, mais on raconte que c'est ici que le héros de Galar serait venu se délasser et panser ses plaies. Après la bataille contre la créature maléfique. Enfin, j'ai dit le héros, mais on a découvert qu'il y en avait deux en fait. Cette histoire de héros m'intrigue. J'aimerais vraiment avoir plus d'informations. Pourquoi croire qu'il y avait... un seul héros au départ. Pourquoi il n'y avait qu'une seule statue au départ pour ensuite en avoir deux? Et vu que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood, peut-être que vous êtes destinés à devenir les héros des temps modernes, tous les deux. Oh, il y a un héros qui a une épée et l'autre qui a un bouclier, c'est ça? Je veux l'épée! Je me demande comment se battaient les héros. Allez, Dialka! On montre à Sonia comment les vrais héros se battent.
Ok, laisse-moi 5 minutes. Je déconne, ça me va. Sonia, je sais pas si c'est le curé que tu nous as payé ou quoi, mais j'ai trop la forme. Tu vas voir, on va te faire un combat des tonnerres. C'est pas ça qui va faire avancer mes recherches, mais je m'en fiche. Je veux le voir, ce combat. Laissez-moi soigner vos Pokémon, en avant tout. C'est une blague. Allez, une petite démo, cadeau du futur maître. Bah, pourquoi on est pas dans la ville? On est totalement en dehors de la ville, là. Alors là, je suis déçu. Oh! Ton mouton a déjà évolué. Pas déjà. C'est un bien grand mot. Est-il toujours au type normal? Je compte sur toi. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah, excusez-moi, je m'étire. Alors, on va y faire attaque lourd pour voir si c'est mieux ou pas. L'armure, ce sera pas mieux. Oh la vache. Après là. Il baisse son attaque, enfoiré. Ah, il va résister le mouflon. Hein. Oh non! Joli coup critique, je suis fier de toi. Hey, tiens bon, je suis avec toi! C'est totalement la grêle qui me finit. Allez, on va y voir. Joey Montagno 45 et Tam Tam aussi. What a pic! What a pic! Ah! Ah oui, Joey! C'est bon, je cherchais, mais c'est bon. What a pic, c'est l'évolution des petits bonhommes là, des petits machins là. Des petites boules roses là. Ah non, pas du tout! C'est quoi ça? On dirait un concombaf de galère, le bordel. Ah merde, je suis totalement fait avoir. Je sais pas du tout ce que c'est. Esploro qui est type poison. Ok. J'ai fait chef mental alors que j'ai totalement psycho aussi. Bon, on va terminer avec. Il y a ce type électrique quand même. Est-ce que ce machin il évolue quand même? On dirait vraiment un cocombaf. Hein. De galard. Imaginez en fait, c'est l'évolution de galard de cocombaf. What a pic. Incroyable ce pic. Corvallus. Ah. Charmake. Avec son petit tacle feu, peut-être que. Faut juste espérer que Charmake est plus lourd que Corvallus. Normalement, ouais. Mais à mon avis, ça risquerait d'être tendu. Hein. J'aurais pensé qu'il aurait été assez intelligent pour se lancer une attaque de type acier, mais non. Oh bah dis, mon Charbeck est plus lourd qu'un Corvallus. Ah ouais, bien joué. Eh ouais.
Eh ouais, mon con. Alors, le dernier, c'est qui? Je suis con, moi, je pose la question. J'avais déjà la réponse, mais... Qu'est-ce que je suis bête? On dirait pas ce qui peut voler, en fait, le bordel. Larme à l'œil. PV, c'est quoi déjà? On attaque. Ah oui, c'est vrai. On attaque spécial. Tambour battant. Encore une fois, ça m'arrête pas. Hein. Oh, passe au niveau 45, le petit Firefox. Ronflex. Alors, avec un moment dessous. Hop là. Big splash. Oui, ça va. Oui, pour tarif aussi, hein, le coup. Alors, Roquefort. Qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est le thermite de ouf, hein. C'est grave, ça prend du mat. Allez, paf! Ça fait des chocopiques. J'ai peut-être perdu cette fois, mais je sens que ça vient. Tant mieux. Merci vous deux, c'était un super combat. Tarek ne va pas rester invaincu longtemps. Ah, ça va être non. Sinon, c'est quoi le plan pour vous maintenant? Perso, je vais aller faire un petit tour dans la forêt de Sleepwood. J'ai ma petite enquête à mener. Je vais retenter ma chance à l'arène jusqu'à ce que je réussisse à avoir le badge. Une fois que ce sera fait, je filerai vers la route 9 en direction Smashing. Smashing, quoi. Wow. Sur ce, j'y vais. À plus. À plus. T'es cas, je suppose. J'espère que ça lui aura un peu remonté le moral, cette petite pause. Tarek se fait un sang d'encre quand Nabil ne va pas bien. Et toi aussi, j'imagine. Enfin bref, à plus. Ouais, c'est vrai que j'allais vraiment pas bien, j'étais en train de me dire « Oh, Nabil et tout !» Non, en fait, je m'en fous parce que je sais très bien que le scénario voulait qu'il allait revenir, donc je m'en fous. Alors, je sais très bien. C'est vrai que ça m'aurait fait chier si Nabil était le genre de rival à abandonner en cours de route. Ça aurait été une première et ça aurait été une très mauvaise première, je pense. Je ne sais pas du tout par où faut passer. Par là, la route 9. Je suppose. I suppose. Faut totalement pêcher ici? Ouais. Elle est longue la canne de pêche. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bah tiens, tout à l'heure on parlait de Cocombaf. On va pas le prendre. Capture un autre jour peut-être. Moi j'aimerais bien surfer dans l'eau, mais visiblement c'est toujours pas possible. Ou alors je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc. Dans la vie, j'ai des principes simples. Par exemple, si je vois un dresseur, je l'affronte. Ouais, moi aussi. Alors, montrez-moi tout. Astuce. Ah, sympa sa queue, elle tourne comme des hélices, c'est marrant. Alors. Il est juste au lui ou il est. On va voir ça. On dit il est pas résistant. Lance-roquette.
lanterne. Hein. Par contre, c'est pas le bon plan de rester. Ouais, Temtem. Oh bon, bah attends. Je sais pas en fait si je vais vraiment retirer Raven ou pas en fait. Je sais pas, ça me ferait chier en fait de pas rester sur la même équipe depuis le début. Après tout, mon premier let's play sur par exemple Pokémon Platine, j'avais Castorno. Il est resté jusqu'à la fin du let's play, il m'a très bien convenu. En plus, de toute façon, ça m'est déjà arrivé d'avoir un Pokémon. Enfin, d'un côté, ça m'est déjà arrivé d'avoir un Pokémon qui, au cours de l'aventure, j'ai fini par mettre à la pension. Il va prendre un autre. Par exemple, par exemple justement, bah, dans la Pocket Platine, j'avais Charmina et je l'ai remplacé par par Bastiodon, je crois. Bastiodon qui était pas ouf au final hein, quand on y repense. Hein. Aujourd'hui, je rejouerai pas. Si j'avais le choix, je rejouerai pas Bastiodon. Je pense pas. Bon après, est-ce que Raven ça serait un petit peu le... Ça serait pas un petit peu le Castorno de l'équipe au final? Un Pokémon un peu faible, un peu sous-coté, mais qui au final nous rend quand même très bien service. Martobois, tiens. Ouais. Ça peut se faire, hein. Pour moi, Firefox a tout autant sa place qu'il a sa place dans le PC aussi, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça serait une grosse erreur de... Enfin, je sais pas. Ça me fait peur parce que le petit dragon, il a trois faiblesses et on n'en a aucun des trois. Aucun des trois. Et ça c'est très dangereux. Parce qu'on va galérer de ouf. Ça a l'air, tes Pokémon et toi, vous m'avez fait voir une farandole des capacités. Wow. J'ai pas la ref. Parce que je suis pas danseur. Une Pokéball ici. Potion Max. Ok. Alors toujours la route 9. Ah bah attends. On bloque la route 9. Ah merde, ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus là. On bloque la route 9. Comme ça, personne ne peut atteindre en smashing. Y'a pas meilleur supporter que la Team Yell. Et là, on encourage ce brave Torgamor. On encourage et n'accepte personne sur son lot. Torgaga. Je m'en fiche de vos histoires, j'ai une technique pour faire flotter la motocyclette. Ah, je savais bien qu'un jour on allait avoir la motocyclette sur l'eau. Je suis venu la tester, laisse-moi en paix. Oh, mais je te reconnais, Challenger, tu te souviens de moi, je t'ai donné le vélo. Je crois que j'ai encore besoin de ton aide. Tu veux bien me débarrasser de ces guignols? On n'est pas les guignols, on a une mission cruciale, on encourage Torgamor. Si en plus on peut pourrir la vie des Challengers, c'est tout bonus. Tu cherches la bagarre, Vénus? Oui. On va te rétamer pour Torgamor. Anarchie! Oh la vache. Oh la position politique qui n'est pas du tout neutre là-dedans. Oh la vache. Oh. Ils vont se faire lyncher. Okay. J'adore les petites randonnées avec les parasols dans un endroit totalement nuageux avec de la neige. Je suis pas très sûr que ça soit convenu pour bronzer. Mais genre, je suis pas très sûr. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez réussi à bronzer dans un endroit en nuageux. J'allais dire ennuagé, mais non, nuageux. Personnellement, je sais pas.
Hop là. Pan Harbor, Pan Harbor. Je trouve que je mets beaucoup Ravel en première position ces temps-ci. En fait, on s'en fiche pas un petit peu, non? On s'en fout. J'ai tellement, mais alors, tellement envie de rentrer à Smashing. Oh non, la lose. La lose. La lose. D'accord. Oh non, la lose. On peut pas l'empêcher de grimper sur Torgamor. Eh, j'ai une super idée. Et si on montait sur Togamor d'abord et qu'on se carapatait sur sa carapace. Fonce Togamor. Adios Challenger. Ou plutôt loser. Torg. Merci pour le coup de main. Tu m'as encore bien aidé. S'il te plaît, enfin, ça te plaît l'aventure à motocyclette, j'espère. Je parais qu'il te manque qu'une chose, c'est de pouvoir naviguer sur les flots avec, totalement. Ça tombe bien, j'ai justement reçu les pièces pour transformer ta motocyclette en véhicule amphibique. J'ai reçu motocyclette. Et voilà, on va pouvoir naviguer sur l'eau, les amis, ça va être super. Et voilà, grâce à son mode aquatique, la motocyclette peut maintenant se lancer à la conquête des rivières et autres plans d'eau. Et sur Terre, tu peux bien sûr continuer d'utiliser le mode terrestre. Si c'est pas maléfique. Et hop, on navigue. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Hein. Un truc de ouf. Hein. C'est quoi ça? What the fuck, c'est un Pokémon? Je sais pas du tout où je vais. Tiens, ça m'accoste. À la pêche, comme au combat, les affinités des types piquent toujours ma curiosité. Ok. Alors, Quillfish. Oui, c'est vrai. On va les faire. C'est bon, t'as fini tes piquants là ou... Ok. Par contre, je pense que les bails, les mieux, ce serait de changer de Pokémon. Quand on bat, il est type seulement. Ouh, il a un autre type derrière. Insecte ou peut-être. Non. Une plante ou aussi. Non. Juste eau. Ou eau poison. Non, au tout court. Oula, Raven niveau 47. Hein. Maintenant, c'est Raven qui est en tête au niveau des niveaux. Ça me fait mal au cœur quand mes Pokémon perdent. C'est la vie, hein. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est totalement... C'est un poulpe. Un poulpe avec des gants de boxe. Il fait rappeler à Splatoon un peu. On dirait trop Splatoon. Poulpe. Ah, il est combat lui.
Totalement tu combats. Moi, s'il me faudrait, ce serait un Pokémon fée. Je me suis entraîné sans épi avec mes Pokémon. Admire un peu l'étendue de ma puissance. Je sais quel Pokémon je pourrais remplacer. Si je remplace Firefox par un autre Pokémon, je sais quel autre Pokémon je vais prendre. Alors, Caracune. Pêcherie. Ouais, on va lui apprendre contre. C'est quoi déjà plus mon cœur? On va lui apprendre plus mon cœur. Ça me fera chier parce qu'en fait, Raven c'est mon premier Pokémon. Raven, n'importe quoi. Firefox. Après, il y a une Pokémon capturée. Hein. Mon premier Pokémon capturé, donc j'ai ce petit côté matérialiste qui fait que j'ai du mal de me débarrasser de choses comme ça. Oh merde, j'ai le KO. Ouais, foiré. Ah, lui aussi. Combat nul. Wow, j'ai perdu, je manque encore d'entraînement. Ouais. Je vais avoir du mal à le décider. Oh, ça c'est mignon ça. Je pense que la décision doit se faire. C'est Racer ça. Non, c'est pas Racer. J'ai pas du tout l'impression que ce soit là qu'il faut que j'aille. Hop là. Je ne sais pas du tout où il faut aller. D'accord. Je tourne en rond. Où est-ce qu'il faut aller, merde? Où est-ce qu'il faut aller? Hop, on va récupérer. Allez, ça rappelle Max. Ah, mais non! Kratos, bon. Totalement, c'est. D'accord. Et lui? Les petits poules, non? Ah, c'est leur petit, il est au combat, ici. Il est pas type haut. Je sais que les apparences sont trompeuses, mais c'est un poulpe, hein. C'est de l'arnaque. Ce Pokémon est une arnaque. Je tiens à le préciser. Ah. Oui, c'est là, non? Non, c'est pas là. Si, c'est là. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Je sais plus. Où je vais en fait. Je ne sais pas du tout où je vais, c'est incroyable. Protecteur. Ah bah ça c'est. Ça va être bien pour faire évoluer. Hein. Un rhino féroce en rhino, pardon. En rhino, n'importe quoi. On est rhino sec. Comment on sait se faire là? Ah, attends.
Non, moi je vois pas. On fait comment pour passer là? Ah, pour faire le tour ici? Ouais, j'ai totalement la flemme de combattre ces dresseurs. Par là? Non. Ça va pas l'air vite ça. Ah, merde! Alors c'est par là? C'est par là qui continue la route? Y'a le jeu. Elixir Max. Oh merde, je suis à voir. Bon, à se tirer. Paf. Je combattrai ce dresseur un peu plus tard. De toute façon, je pense qu'on est pas mal entraîné là. On n'a pas besoin de plus de niveau. Là, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Impossible d'entrer dans ce machine. Ça fait des plombs qu'on attend. Comment on va faire pour défier le champion de l'arène de type ténèbres? Pourquoi le rideau est baissé? Comment on va faire pour obtenir le badge? Psst, quelqu'un apparaît ici. Oh non, Roblenard, n'apparaît pas pour me faire penser que ce serait une erreur de t'abandonner. Non, j'ai totalement mon idée sur le Pokémon que je vais intégrer dans l'équipe. Je voulais esquiver, et bah non, finalement, je vais pas du tout esquiver. Hop là. Ok, au revoir les amis, j'ai soigné les Pokémon. Tu vas entrer dans la ville? Je peux te montrer par où passer. Je suis né ici, j'ai connu le coin comme ma poche. Mais on n'a rien sans rien. Tu veux te battre? Si tu veux que je t'aide, il va falloir te battre contre moi, t'es d'accord? Ouais. T'enchaînes les victoires comme moi et t'as tout mon respect en tant qu'adversaire. Mais trop de gens comptent sur moi. Je peux pas me permettre de perdre. Ok. Je veux pour une chair. Alors, on va faire tacle lourd. Ok, et dehors. Alors, changer de Pokémon. Contre quoi déjà? Allez, on va y aller un petit peu plus lente, je pense que ça pourrait le faire.
Quoi, Tox? Alors. On va utiliser Joey. Oh bon, on est bon. Bah non, il en reste un, non? Je me rappelle plus. Bagabe. Exact. On va rester sur Joey. Hop. Et... Vampirisme. Ben. Allez hop, Big Brain. Ok, ah pourquoi je me rate comme ça? I don't know. Je comprends maintenant pourquoi mon Morpeko est fan de toi, t'assures grave. Mais moi si je me bats, c'est pour tous ceux qui me soutiennent à Splashing. Et j'ai bien l'intention de te battre à pleine couture, un de ces quatre. Donc je vais récolter les 8 badges et je prendrai ma revanche au Pokémaster. Master, c'est l'application. D'accord. Ok, pourquoi pas. Là, non, la télé, ne vous éteignez pas. C'est ce qui arrive quand on tourne trop d'épisodes d'affilée. En attendant, j'ai qu'une parole, je vais te le prouver. Suis-moi. Allons-y. Ouais, je pense qu'un Pokémon de type Fée ne sera très utile. Ou un Pokémon de type Dragon. Ou un Pokémon de type Fée Dragon. Ça existe? Fée Dragon. Je sais pas. On va aller au centre Pokémon. Et on va soigner nos Pokémon. Ok. Allez, sur ce, les amis, j'espère que... On va s'arrêter là, déjà. On va dire les choses dans l'ordre, c'est marrant. Peut-être plus simple. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour écrire tout ce que vous voulez. Pour vous abonner, pour suivre toutes nos aventures sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne secondaire dans laquelle je fais des live chasses et autre chose aussi. Je fais d'autres choses sur ma chaîne secondaire. Ça m'arrive parfois quand j'ai envie. Vous pouvez aussi me suivre dans les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. J'ai aussi un Discord pour ceux qui veulent discuter avec moi. Et sur ce, c'était les questions 4, donc salut tout le monde!